Partagé avec Madame la Présidente de la Métropole et Monsieur le Maire de Marseille et Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional, la satisfaction de voir les projets de Marseille en Grand avancer. Aujourd'hui, nous avons constaté d'abord la confirmation des arbitrages qui ont été rendus au niveau national par le Premier ministre s'agissant des 500 millions d'euros qui seront au total mobilisés dans le cadre de Marseille en Grand. 15 projets y figuraient déjà, un 16e a été rajouté, celui du téléporté entre Vitrolles et l'aéroport de Marseille-Provence. Et j'ai entendu ce qu'a dit Madame la Présidente, c'est-à-dire le fait que les problèmes de desserte de la zone d'activité des Milles et du quartier de la Durane à Aix-en-Provence seront également pris en compte, puisqu'on est sur un programme de mobilité qui intéresse bien sûr au premier chef la ville de Marseille, avec la volonté de ressouder les quartiers nord au centre-ville pour pouvoir permettre d'améliorer bien sûr la mobilité des habitants, mais également aussi un certain nombre de projets concernent plus largement des communes qui participent à la métropole et qui sont également concernées par cette nécessité d'améliorer la mobilité du quotidien.